Plutôt mourir que d'être arrêté. Au Pérou, l'ancien président Alan Garcia s'est suicidé ce mercredi à Lima. Un geste désespéré alors que la police arrivait à son domicile pour l'interpeller. L'ancien dirigeant, 69 ans, s'est tiré une balle dans la tête. Hospitalisé dans un état critique, il a succombé à ses blessures. Alan Garcia était soupçonné de corruption. Il était accusé d'avoir reçu de l'argent du groupe brésilien Odebrecht pour la construction d'une ligne de métro dans la capitale péruvienne. Le géant du bâtiment a distribué pendant plus d'une décennie des millions de dollars dans une dizaine de pays à travers la région pour remporter des contrats. L'entreprise a reconnu avoir versé 25 millions d'euros de pots de vin au Pérou entre 2005 et 2014. Alan Garcia n'est pas le seul dont le collimateur de la justice de son pays. Les trois derniers présidents péruviens sont aussi soupçonnés de corruption dans la même affaire.